Heinrich, un autre, s'il te plaît. Tout de suite. C'est vraiment indispensable. Ouais. Et comment? Tu me mets la même chose. Eh oui, ça vient. Bonne nuit. Bonne nuit. T'as vu, il manque 2 centimètres. T'essaies de m'entuber ou quoi? Ah, j'aime mieux ça. Personne ne pourra m'entuber, moi. Et si Erwin s'imagine qu'il peut, il se met le doigt dans l'œil. Pas vrai, Margot? Tu n'as pas bientôt fini. C'est toujours la même chanson. Un loueur de voiture ne peut pas se permettre de garder un chauffeur qui livre du matin au soir. De plus, on t'a suspendu le permis. Ça pourrait mal finir. Est-ce que tu sais ce que tu veux, au fond? Mon droit. Et Erwin pourrait le regretter. C'est de boire un peu moins, t'aurais les idées plus claires. Bon, écoute, je vais rentrer. Oh, allez. Allez, le dernier, sois sympa. Heinrich, un double pour ma femme. Non, non, laisse. Je me lève tôt demain. Faut bien qu'un de nous travaille. Ouais. Elle a raison, Margot. Merci, bonne nuit. Allez, tu viens boire un coup avec moi. Dans la vie, c'est bien simple. Ou tu voles ou tu te fais voler. Le mec qui veut rester honnête n'a aucune chance. Ouais. La vie, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux y faire? Crois-moi, Erwin aura une surprise. Quoique j'ai pas vu qu'il a une double comptabilité. Notre honorable Erwin, il y en a une pour le percepteur. Et une autre pour... Bonsoir, monsieur Erwin. Ça va? Qu'est-ce que je vous sers? 2 paquets de Galaxy Filtre et... Et un café ciré, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur Erwin. Turc? Mm-hmm. Bonsoir, monsieur Omar. Je ne vous permets pas de m'insulter. Si vous êtes capable d'arrêter de boire et si vous vous engagez à rester sobre, je vous reprendrai. C'est trop gentil. On m'a proposé autre chose. Et je serai traité comme un être humain, c'est pas pareil. Voilà. Faites attention, c'est très chaud. Merci. Faut que j'aille à Gizen ce soir, ça me casse les pieds. Quoi? À cette heure-ci? Un de mes clients a eu un accident là-bas. Les freins, semble-t-il. Si je n'y vais pas moi-même, ils en profiteront largement. Bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Je veux dire une bonne chose à l'oreille. Ouais. Je les connais, vos sales combinaisons. Faites pas attention à lui de les livres. Mais non, il faut le laisser. Il a besoin de faire de grands discours, puisqu'il est moins rien d'autre, comme tous les impuissants, d'ailleurs. Tu ne crois pas que ça suffit, Hans? Allez, debout, il faut le secouer. Bonsoir. Bonne route, monsieur Erwin. Soyez prudent. C'est mon témoin, Erwin. Il m'a frappé, Solange. Oui, oui. Allez. Faut que je ferme, c'est l'heure. Tu paieras demain. J'emmène une bouteille, tu me la marques. Hein. J'aime pas me coucher sans rien. Toi et moi, c'est du solide. Hein. On est vieux copains. Oui, oui. Alors, il faut que tu me le dises. Que je te dise quoi? Qu'on est les vieux copains, nous deux. À la vie, à la mort. Oui, bien entendu, allez, va. Dis-le-moi, s'il te plaît, dis-le. Oui. Oui, oui, on est de vieux copains. Il est tard, il faut que tu rentres. Allez, bonne nuit, Hans. Bonne nuit, Erich. Hé, Hans. Tes cigarettes et ton briquet. Merci. Voilà. Merci, Erich. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.
Réveille-toi, Hank. Réveille-toi, il y a le feu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi! Il y a le feu chez Lorraine dans son garage. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le feu a déjà pris dans tout le bâtiment. Tu vas voir, il restera rien. Les pompiers viennent juste d'arriver. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est tout ce que tu trouves à dire devant une catastrophe pareille. T'as pas du feu? Voilà. Il m'aurait fait quelque chose à boire quelque part. J'avais une bouteille. Tu as dû la vider, comme je te connais. Elle était à moitié pleine. C'est ce que tu t'imagines. Comme tous les ivrognes. Hans, pour une fois, tu pourrais faire un effort et m'écouter au lieu de penser à l'alcool. Hans, dis-moi que tu n'as rien à voir avec ce feu. Comment ça? Avec l'incendie. Quoi, moi? T'es folle. Je l'espère. Ce serait pas la première fois. Des fois, tu te souviens pas de ce que t'as fait. Après une nuit passée à boire. Écoute, Margot. Tu me crois capable de faire ça? Ou il est très malin, ou il est complètement idiot. Vous avez raison. C'est sûrement un morceau de bouteille. Allez, prends ça aussi. Oui, d'accord. Voyez s'il y a des empreintes. Allez, ne restez pas là. Alors, on s'est vu du pied gauche? Évidemment, j'aurais dû m'en douter. De quoi? Faut toujours que tu fourtournes partout. Oh là là, ne craignez rien, cher collègue. À cette heure-ci, ce qui m'intéresse, c'est un bon café chaud, avec du pain frais, un œuf coq, du jambon et un croissant. Ça te fait pas envie? Je déteste prendre mon petit déjeuner seul. Jamais pendant le service. Tu dois manquer de protéines. Tu n'as plus de résistance. Je parie que t'as passé une nuit blanche à faire une planque. Qu'est-ce que tu fais de si bonheur dans ce quartier? J'achète du pain. J'en ai pris pour 8 jours. J'ai un congélateur à la maison. Ça se réchauffe très bien. Tu devrais essayer. La boulangerie est à 2 pas d'ici. Tu veux l'adresse? Mais je te préviens, il y a toujours la queue. C'est le meilleur pain de toute la ville, mon pote. Toujours le même esprit farceur. Sacré Matula. Tu ne changeras jamais. Tu veux parler de l'époque où la police m'a viré? N'est pas vrai. Personne ne t'a viré. Tu m'avais indiqué mes limites. Je le sais. Alors pourquoi tu n'as pas voulu revenir? Tu sais, j'ai pas le goût des travaux forcés comme toi. Regarde-moi un peu la tête que t'as, on dirait un navet. Ouais, bon, ça va. Écoute-moi, tu n'as rien à faire ici. C'est un simple incendie. Les faits divers t'intéressent pas. Mais c'est vrai que ça sent brûler. Et ça sent même autre chose. Ah ouais, quoi? C'est toi ou c'est moi qui est chargé de l'affaire? Avez-vous une idée de l'origine éventuelle de cet incendie, monsieur Lervine?
Avez-vous des soupçons? Peut-être un court-circuit, un câble a pu griller. Ben, j'en sais rien, moi. Vous savez, dans une entreprise, on ne peut pas tout contrôler. Il suffit d'une cigarette mal éteinte et puis... Vous êtes venu dans ce bistrot peu avant minuit. Oui. Pour acheter des cigarettes? Allez-y, entrez. Merci. Ensuite, une bagarre a éclaté entre vous et M. Oman. Qui vous a dit ça? Le patron du bistrot. C'est lui qui a commencé la bagarre. Et pourquoi? Parce que j'ai dû m'en séparer. Il avait trop soif trop souvent. Le pauvre type boit tellement qu'il y laisse le peu de cerveau qui lui reste. Et quand il me voit, il me rend responsable de tous ses malheurs. Avez-vous déjà vu ce briquet? Vous l'avez trouvé où? L'avez-vous déjà vu? Non, il provient de... De l'incendie, peut-être. Je l'ai trouvé près des barils d'essence. Dites-moi, vous les entreposez n'importe où. Ça veut dire quoi, ça? Les barils étaient quasiment vides. Vous ne voulez pas insinuer qu'ils étaient la cause de l'incendie, tout de même? Le feu était certainement d'origine criminelle. Eh bien, bravo. Dans ce cas, je pourrais attendre que les poules aient des dents. Pourquoi donc? Vous connaissez, vous, une assurance qui paye tant qu'une affaire n'est pas tirée au clair? Tu ne veux pas te dépêcher, Hank? Dépêcher? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas allé travailler? Dis-moi, est-ce que tu fais semblant? Ou est-ce que tu ne te souviens vraiment plus de rien? Souvenir de quoi? Cette nuit, le garage d'Ellervine a brûlé entièrement. Ah oui, alors? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? À quelle heure c'est arrivé? Vers une heure. C'est bien fait pour lui. À ta place, je ne parlerai pas comme ça. Cette nuit, tu n'as pas arrêté de délirer en t'agitant. Remarque, c'est normal, sous comme tu l'étais. Qu'est-ce que j'ai dit? Beaucoup de choses. J'ai pas le temps de t'en parler maintenant, il faut aller voir le commissaire. Hein? Comment ça? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi faire le commissaire? Hein? Ils veulent savoir si tu n'es pas mêlé d'une façon ou d'une autre à cette histoire. Moi? Toi, bien sûr. Tu n'as pas fait de bêtises, au moins. Hein? Tu crois que ça peut être moi? Mais enfin, tu es folle. Je me souviens de rien, absolument de rien. Bon, il faut y aller. Oh là, oh, ça cogne là-dedans. Oh, ma tête va éclater. Tiens, mon briquet. Et puis ma bouteille. Madame Oman, hier soir vous êtes venue dans ce bistrot. Avec votre mari. Oui. Et vous êtes repartie à quelle heure? Un peu avant minuit. Sans votre mari? Oui. Mon mari avait un peu trop bu. Il tenait des propos incohérents. Quand votre mari est-il rentré à la maison? Environ une demi-heure plus tard. Enfin, à peu près, quoi. Je dormais déjà. Selon certaines informations, votre mari n'aimait pas beaucoup M. Ellervine, est-ce exact? Oui, mais enfin, ce n'est pas une raison. Je veux dire, même s'il dit parfois du mal de M. Ellervine, ce n'est pas pour ça que... Il l'avait licencié. Oui. Seulement quand il a bu un peu trop, c'est bien simple, il insulte tout le monde. Et ces derniers temps, il en veut particulièrement à M. Ellervine. Avez-vous parlé de l'incendie avec votre mari, Madame Oman?
Oh, 5 minutes peut-être. Comment a-t-il réagi? Écoutez, je crois qu'il n'a rien compris à ce qui s'est passé. Vous voulez dire parce qu'il dormait? Oui. Comment vous dire? Il... Et vous? Moi? Vous savez, mon mari ne dort pas avec moi, vous comprenez? Quand il a trop bu. Je comprends. C'est tout pour l'instant, Madame Oman. Vous pouvez partir. Je vous remercie de votre coopération. Monsieur Oman, s'il vous plaît. Allez, allez, c'est pas si grave. Tu vas voir, ça s'arrangera. Oui, oui. Je t'en sers un? Non. Ah, puis si. Ça me fera du bien. Vous avez emporté une bouteille chez vous, c'est bien ça, monsieur Oman? Ouais. Pourtant, je tenais plus debout. Mais c'est difficile à expliquer, ces choses-là. Cette bouteille, où est-elle maintenant? À la maison. Merci. Neuf? Oh non, je l'ai déjà depuis quelques années. Pourquoi? Oh, rien. Ainsi, vous dites que vous n'avez aucun souvenir de quoi que ce soit. Pas tout à fait. Ben, vous savez, tout ça, c'est une accumulation. L'air froid du soir, l'alcool, puis la fatigue, la frustration. C'est comme un choc amnésique. C'est un trou noir. Vous avez déjà eu de telles absences? Ouais, quelquefois. Ma femme en sait quelque chose. Si vous voulez, elle peut vous en parler. Savez-vous, monsieur Oman, que votre absence de mémoire peut se retourner contre vous? Voyons, vous auriez pu mettre le feu vous-même. Bien sûr, si on le voit comme ça. Si c'est ça que vous voulez. Je ne veux rien du tout. Seulement, il ne faut pas vous étonner si, avec les éléments que nous avons, nous arrivons à certaines conclusions. Comment ça, quels éléments? Je comprends pas. Votre alcoolisme, vos absences, et surtout, vos sentiments hostiles vis-à-vis de M. Ellerwine. Et vous êtes le dernier à avoir quitté le bistrot. Au revoir, M. Oman. Vous pouvez rester à la disposition de la police. Oui. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? Monsieur Oman avait emporté une bouteille de vin en partant. Vous ne me l'aviez pas demandé. J'espère qu'il n'a rien remarqué. Pourquoi? Il aurait dû remarquer quelque chose? Que ton briquet et la bouteille d'eau de vie avaient disparu justement cette nuit. Et alors? Et alors? Ce matin, t'as retrouvé le briquet et la bouteille aussi, alors comment tu expliques ça? Que... Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ah, c'est toi qui devrais le savoir. Monsieur Matula? Oui, lui-même. Mon nom est Ellerwine. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Je vous en prie. Mais 5 minutes, pas plus. Je crois que vous acceptez des enquêtes. Ouais, de temps à autre. Voilà de quoi il s'agit. Je suis le propriétaire du garage de location qui a brûlé il y a quelques jours près du port. Ah oui, je vois. Vous êtes au courant? Oui, je suis passé par là par hasard, le lendemain de l'incendie.
C'est le commissaire Bender qui est chargé de l'affaire, je crois. Vous le connaissez? C'est un homme ambitieux, honnête, travailleur et efficace. Il pense que c'est un incendie criminel. Ah, je vois, pardon. Et naturellement, l'assurance refuse de payer. Et la police ne met pas non plus les bouchées doubles, ce n'est pas un cas intéressant. Et pourquoi croyez-vous que je serais plus efficace que la police? D'abord, vous n'êtes pas fonctionnaire, et ensuite, je paye très bien. Et voilà ce qu'il fallait dire. Si vous me parlez argent, je comprends plus vite. Ça veut dire que vous acceptez? Bien sûr, c'est mon métier. Marché conclu. Si vous avez des questions à me poser, Dieu merci, mon bureau n'a pas brûlé. Au revoir, monsieur Lorraine. Au revoir, je compte sur vous. Alors, Superman, votre enquête avance? Mais dites donc, vous entreposez vos barils d'essence n'importe où. L'assurance ne vous a rien dit à ce sujet? C'est moi ou c'est l'assurance qui vous paye? De toute façon, c'est du fioul domestique. J'ai besoin de quelques informations. Des noms, des adresses, des photos, enfin tout ce que vous avez. Mes archives sont à votre disposition, mais je n'ai pas de photos, je crois. Même de personnes qui ne sont plus employées ici? Ah oui. À quoi vous serviront ces informations? S'il s'agit vraiment d'un incendie criminel, quelqu'un avait peut-être envie de se venger. C'est possible. Vous savez, la police m'a posé exactement la même question. Ça, je suis désolé de vous décevoir. Mais Superman a les mêmes méthodes. Et les clients? Eux aussi connaissent les lieux. Vous avez une idée précise? Pas vraiment. Une personne, par exemple, à qui vous auriez compté par mégarde, hein? 2000 km en trop, par distraction, bien sûr. C'est impossible chez moi. Là, vous avez les noms et les adresses de mes employés. Pendant que j'y pense, j'ai autre chose pour vous. Des photographies de la fête d'entreprise. Ces dames sont les épouses et les petites amies de mes employés et collaborateurs. Regardez, celui-ci est un certain Oman. Vous voyez le regard absent? La police s'y intéresse de près, celui-là, soit dit en passant. Et comment vous le savez? Par le commissaire Bender. Donnez-moi l'adresse de cet homme. Celle de Oman? Bon, si vous y tenez, mais je vous préviens, l'animal est dangereux. Il est quasiment toujours ivre. Il passe ses journées, vous voyez, là, au bistrot du port. Quand il n'y passe pas ses nuits. Vous me la laissez? Bien sûr. Lui, pas du tout. Dans un autre, il pousse une gueulante, ça, oui. Il est très gentil, très serviable. J'ai l'impression que c'est pas l'avis de la police. La police, c'est pas pareil. Ça fera grand-chose. Santé. Santé. Ils sont tombés dessus dès le lendemain et ils m'ont posé un tas de questions. Par exemple, qui était parti le dernier ce soir-là? Il y avait une histoire de briquet. Un briquet? Quel briquet? Celui de monsieur Oman. J'ai trouvé un briquet là-bas, vous comprenez, exactement le même. Complètement cramé. Et à côté, une bouteille d'eau de vie brisée. Il suffisait de jeter ces objets exprès dans le feu pour la police. Et ça nous faisait un coupable idéal.
Mais qui? Eh bien, Roman. Tout le monde sait qu'il emmène parfois une bouteille d'eau de vie chez lui à la maison pour finir la soirée et qu'il a un modèle de briquet un peu particulier. Santé. Bien, s'il vous plaît. Tout de suite. Heureusement encore que Roman avait son briquet sur lui quand la police l'a interrogé. Croyez-moi, j'ai rigolé quand ils ont voulu le coincer avec ça. Je dois vous dire que j'étais derrière la porte, j'ai tout entendu. Les Romans sont venus après 10 heures à la convocation. Si tard, pourquoi? Oh, il n'était pas clair, il avait trop bu. Elle est allée en ville. En ville? Si tôt le matin, pourquoi faire? Oh, j'en sais rien. Santé. Peut-être des courses, ou autre chose. Enfin, moi, je vous dis ça. Cigarette? Mm-hmm. Merci. Vous permettez? Oui, votre briquet. Le sien, c'est exactement un briquet comme ça. Le même modèle. Je l'aime bien, le briquet. Il est passé de mode, et moi aussi. Oh. Merci beaucoup. Vous vendez ce modèle de briquet? Cette personne là sur la photo. Cette femme là. Oui, oui, sa tête me dit quelque chose. Ah oui, je me rappelle. Elle est venue l'autre jour à l'heure de l'ouverture. Ça m'avait frappé. J'étais en train de lever le rideau de fer. Vous vous souvenez de la date exacte? Ah oui, tout à fait. C'était il y a une semaine exactement. Et en dehors du briquet, elle vous a acheté autre chose? Oui, une bouteille d'eau de vie. Elle voulait une marque particulière? Oui, elle m'a montré cette bouteille-là. Et pour le briquet, elle savait ce qu'elle voulait. Hein? C'est curieux, elle n'est pas très discrète, cette jeune femme. Comme vous dites. D'autant qu'il y a un supermarché à 2 stations d'ici. Et dans les supermarchés, dès le lendemain, personne ne se souvient plus ni de ce qu'il a vendu, ni de la personne. Vas-y, c'est à toi de jouer. Mais pour une fois, essaie de toucher la boule au lieu d'attaquer le tapis. C'est parce qu'il est vert, la couleur de l'espérance. C'est la couleur que je préfère. Ça va chauffer pour toi. Ah, joli coup, hein? Tu as l'air mal luné. Non, tu crois? En fait, j'ai résolu un cas aujourd'hui. Félicitations. Tu travailles seul maintenant, sans m'en parler? C'est nouveau ou ça vient de sortir? J'ai suivi ton conseil, c'est tout. Tu m'as dit il n'y a pas longtemps de trouver moi-même de nouveaux clients parce que ton cabinet n'était pas un bureau de placement pour détectives sans emploi. Alors... Ça devait être tôt le matin ou tard le soir, je pense. Tu es sûr que j'ai dit ça? Tu veux me parler de l'affaire? C'est un incendie criminel. Ah, je vois l'affaire et Irvine. On m'en a parlé, en effet. Qui est le coupable? Tout concorde pour désigner l'ex-chauffeur de Irvine. Sa femme a essayé de le protéger. Dès le lendemain de l'incendie, elle lui a racheté un briquet ainsi qu'une bouteille pour le mettre hors de cause vis-à-vis de la police. Rien de surprenant jusque-là. Et ensuite? Ce type, c'est Irvine. Il m'horripile. C'est le genre à voler et à exploiter tout le monde, mais légalement, bien sûr. Il sait que tu sais? Non, pas encore. La police non plus, d'ailleurs. Cette affaire ne s'annonce pas trop bonne pour eux. Tu n'as pas le droit de te taire. La loi t'oblige à donner ces informations. À part ça, si ça peut te consoler, je ne choisis pas non plus mes clients selon mes goûts. Selon leur portefeuille. Je te fais une proposition. Si tu acceptes la défense de Roman, je communique mes informations à la police. D'accord? Tu y es obligé, mon cher. Ton métier n'est pas bien vu chez les flics, tu le sais bien. Tu ne peux pas te permettre le moindre écart, mon jeune ami. Et en ce qui concerne tes allusions bassement matérielles, j'en ai jusque-là. Tu es bien placé pour savoir que je défends aussi des pauvres. Mais je ne vais quand même pas les chercher au fond de leur trou. Mais moi, je peux le faire. Oui, 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 ça, tu peux tout, je sais. Seulement moi, j'en ai assez. Qu'on m'accuse sans arrêt que je ne m'intéresse qu'au portefeuille de mes clients. Parce que moi, j'ai le fisc qui me court après. Sans le moindre complexe. Seulement, ils jouent pas à Colin Maillard, mais aux gendarmes et aux voleurs, là. Bien, vas-y, finis tout seul.
Oui, monsieur Lavagne, c'est moi, Matula. Toutes mes félicitations, vous avez gagné. Madame Oman, lors de la confrontation chez le marchand de spiritueux Bremer, il s'est avéré sans équivoque possible qu'en date du 25 janvier à 8h du matin, donc peu après l'ouverture, vous avez acheté une bouteille d'eau de vie et un briquet chez ce marchand. C'est vrai? Oui. Eh bien, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mon mari n'arrivait pas à retrouver son briquet. Je veux dire, son briquet. Et la bouteille non plus, d'ailleurs. Et quand ça a commencé à brûler à côté chez Lorvine, j'ai pensé que... Que votre mari pourrait y être pour quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Vous le connaissez pas, mais quand il a trop bu, il lui arrive de faire des choses qu'il ne comprend plus lui-même après. Une fois, c'était au milieu de la nuit, il est allé dans la cuisine et il s'est mis à éplucher 5 kilos de pommes de terre qu'il a coupées en rondelles ensuite. Et le lendemain, il ne s'est plus souvenu de rien. Je suis désolé, madame Oman. Croyez-vous que ça pourrait l'aider au tribunal? Je ne peux pas vous le dire, mais je pense qu'on tiendra compte de votre déposition. Je vous remercie de votre aide, madame Oman. Ce que vous avez fait se nomme entrave à la justice et est normalement passible de poursuite. Mais il n'y a pas de poursuite lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille. Lisez-le attentivement avant de signer. Et mon mari? Je tiens encore une fois à souligner que l'accusé a beaucoup aidé la justice en faisant preuve d'une extrême bonne volonté au sujet des événements survenus dans la nuit du 25 janvier, et ce malgré le fait que sa déposition lui était défavorable. Mesdames, messieurs, dans le rapport que nous a remis le médecin psychiatre, il ne peut subsister le moindre doute dans le fait que M. Hans Oman est un homme gravement malade. Le rapport du psychiatre a clairement démontré à quel point un homme victime d'alcoolisme, même s'il lutte et lutte encore contre ce terrible ennemi, peut devenir une victime de la vie si personne ne lui tend la main. Le rapport du médecin ainsi que la prise de sang dont dispose cette cour démontre, si besoin était, qu'au moment des faits, l'accusé était partiellement ou totalement inconscient de ce qu'il faisait et n'avait donc pu préméditer son acte. Nous nous trouvons donc en présence d'un homme reconnu responsable de ses actes durant la nuit de l'incendie, ce qui doit lui permettre de bénéficier des dispositions du paragraphe 21 du Code pénal de la République fédérale. Je voudrais également préciser que, contrairement à l'avis du ministère public, il n'y a pas eu intention de nuire, ainsi que je l'ai précédemment démontré. Donc nous devons retenir au maximum l'acte non prémédité ici, dans le sens du paragraphe 309 et 306 du Code pénal en vigueur, signifiant en clair que la peine requise par le ministère public ne peut être sérieusement envisagée. Je conclurai donc en demandant à ce tribunal de ne pas se borner à la condamnation d'un homme, mais de penser aussi à sa réinsertion sociale, en ordonnant son admission dans un centre de désintoxication pour adultes avant son transfert dans une prison fédérale. Permettez-moi de vous dire que je suis fermement convaincu que le rôle de la justice n'est pas seulement de punir, mais aussi de prévenir. Or, une peine trop lourde peut briser une existence, donc je demande la clémence de mesdames et messieurs les jurés. Je vous remercie. Nous vous remercions, maître. Monsieur Oman, avez-vous quelque chose à dire? Oui, monsieur le juge. Je voudrais vous dire que j'ai appris beaucoup de choses avec cette histoire. Et surtout que je suis le seul responsable ici. C'est en moi-même que je dois trouver la raison de mon échec.
Ce n'est pas l'alcool, ce ne sont pas non plus les autres. C'est moi seul qui suis responsable. Et je regrette de l'avoir compris trop tard. J'aimerais que... Non, non, ce sera tout. Au nom du peuple, la Cour, après avoir entendu les parties et après en avoir délibéré, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, condamne M. Hans Hohmann à 2 ans de prison ferme et ordonne son transfert immédiat dans un centre de désintoxication. Alors ? Ça va mieux, mis à part qu'on lui a supprimé l'alcool. C'est un peu dur au début. La meilleure, c'est qu'à la fin, il m'a remercié. Pourquoi ? Parce qu'on l'a livré à la justice, peut-être ? Tu vas faire appel, j'espère. Je crois qu'il a eu suffisamment de frais comme ça. Alors faire appel, le pauvre bougre ne s'en sortira plus. J'aurais été prêt à payer les frais du procès. Je suis certain qu'il est innocent. Tu n'y aurais pas gagné grand-chose. À la rigueur, une petite réduction de peine. Et alors, c'est mieux que rien, non? C'est simple, j'ai honte de me regarder dans une glace. C'est comme si j'avais vendu ma propre mère. Judas n'aurait pas fait mieux que moi. Et c'est de ta faute avec tes fausses promesses. C'est simplement conseillé de ne pas contourner la loi. D'accord, et en définitive, qu'est-ce qui paie? Si t'es pas content, cherche-toi un autre employeur et tu verras où ça te mène. Je ne te donnerai pas plus de 6 mois. À la première occasion, les flics t'auront. Et crois-moi, il n'y aura personne pour te sortir du pétrin. Tu entends personne. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu montes ou tu préfères marcher? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore le feu? En quelque sorte, oui. Vous n'avez pas touché vos honoraires. Vous pouvez me dire combien je vous dois? Vous avez déjà été remboursé par l'assurance? Ce n'est plus qu'une simple formalité, une question de quelques jours. Je me demande comment ils vont réussir à se faire rembourser par ce pauvre Hohmann. Enfin, ça les regarde. Ils le font payer par traite, depuis la prison. Vous avez pensé à combien? Entre les honoraires et les frais, ça va faire, bon, disons, 1000 marks. Ça me paiera ma soirée de poker. Passez me voir à l'occasion. J'ai trouvé un garage flambant neuf, beaucoup mieux que celui que j'avais avant. Une meilleure clientèle, tout un cran au-dessus. Et si vous avez besoin d'une voiture, je vous ferai un prix. J'aime le travail bien fait. Et j'ai apprécié le vôtre. Envoyez-moi un reçu quand vous aurez le temps. Merci. C'est pas vrai, 2000. Monsieur Lorvaille, vous avez fait une erreur. Mais ça ne fait rien, disons que c'est une prime pour votre travail, un pourboire si vous préférez. C'est beaucoup trop, voyons. Ben non, ben non. Allez, viens, chérie. Quel salaud. Excusez-moi, le Monsieur bureau Reyes, du procureur. Et le couloir à droite. Auriez-vous une seconde, s'il vous plaît? Mais bien entendu, mon cher collègue, d'autant que nous avons si peu l'occasion de nous parler. Eh oui, c'est le métier qui veut ça. J'ai déjà essayé plus tôt de vous joindre à votre bureau. Vous avez défendu l'autre jour ce pyromane, si je ne m'abuse. Oui, c'est exact. L'épouse de votre mandant est venue me consulter avant-hier. Elle me demande le divorce. Madame Hohmann? Oui. Elle m'a dit qu'elle n'en peut plus, que le procès l'a déprimée. Et enfin, elle ne peut plus supporter son mari. Une chose est curieuse, tout de même. Pourquoi n'est-elle pas venue me consulter? Et elle m'a dit que c'était un peu gênant. Elle vous aurait demandé de reporter une note d'honoraire et aussi parce que vous êtes l'avocat de son mari. À mon avis, cette histoire n'est pas très claire. Je crois qu'il y a autre chose. Un amant? Elle dit qu'il n'y a personne dans sa vie, mais c'est quand même un peu curieux, vous ne trouvez pas? Bref, j'ai préféré vous en parler. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir mis au courant, mon cher collègue. J'avoue que vous m'avez rendu un grand service.
Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Allô, l'infirmerie? Müller, ça l'appareil. Je suis au bloc 4. Il me faut un médecin d'urgence et deux infirmiers. Oui, oui, c'est un des prisonniers. Je pense que c'est une tentative de suicide. Pourquoi avez-vous fait ça, monsieur Hoffman? Vous croyez vraiment que c'est une raison suffisante pour mourir? Écoutez, il y a d'autres solutions tout de même. Je n'en ai pas vu d'autres. Croyez-vous qu'il y ait un autre homme dans sa vie? Je ne crois pas. Eh bien, s'il n'y en a personne d'autre, elle reviendra peut-être sur sa décision. Non. C'est pour ça que je l'ai fait. Si elle avait quelqu'un d'autre, je me ferais une raison, vous comprenez? Ça peut arriver à tout le monde. Mais si c'est seulement à cause de moi, alors... Si elle ne peut plus me supporter... Écoutez, je voudrais quand même parler à votre femme. Ne lui parlez pas de ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'elle reste avec moi seulement par pitié. Quand je pense combien votre femme s'était engagée pour vous protéger, je ne comprends pas très bien. Moi, si. Ça fait un bail que je m'y attends. Qu'un jour, elle en aurait plein le dos de moi. Vous savez, au fond, je n'y ai jamais cru. Enfin, je veux dire réellement que c'est moi qui avais mis le feu. Bien sûr, j'aurais pu. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Puis je me suis dit que si j'allais en prison, j'aurais une chance de recommencer. De reconstruire ma vie. Dehors, j'aurais jamais eu la force d'y arriver. Seulement, si elle veut s'en aller, si elle me demande le divorce, tout ça n'a plus de sens pour moi. J'ai toujours pensé qu'un jour, le Hansi pourrait nous faire une grosse bêtise. Une très grosse bêtise. Et je me suis demandé combien de temps Margot allait encore le supporter. Et vous aviez raison, c'est pourquoi il divorce maintenant. Qui ça? Ben, Margot Hoffman et son mari. Il est rire. Ah, mais pas du tout, vous le saviez pas? Ben, dis donc, je parie qu'Ellervain sera bien content. Santé. Santé. Pourquoi il serait content? Ben, je croyais que vous le saviez. Que je savais quoi? Eh ben, que Mme Hoffman avait travaillé chez Ellervain dans le temps. Ah non, j'ignorais. Et après? J'ai l'impression que vous n'avez pas tout dit à la police. Vous savez que c'est un délit? Attends, ils venaient ici boire un coup ensemble. Si vous les aviez vus comme ils avaient l'air intimes et comment ils la tenaient par la taille, on aurait pu en imaginer des choses. Vous voulez dire qu'ils auraient pu coucher ensemble? Ah, j'ai pensé ça, oui. Mais c'est tout, je ne peux pas l'affirmer, n'est-ce pas? Et puis, il faut le savoir, ça a toujours été un fameux coureur de jupons. Quand il doit passer une piste, c'est plus fort que lui, il faut qu'il y gagne. Vous partez déjà? Je dois combien? Alors, vous avez bien 5 minutes. Allez, je paie la tournée. Non, merci, il faut que je parte. Ça fait 9h40. C'est bon. Merci. Ça fait bien longtemps que Hoffman n'a pas eu une bonne nouvelle. Je vais vous demander un autographe, monsieur Matula. Je croyais que la voiture était gratuite. Elle est gratuite, bien sûr, mais nous tenons à la récupérer. Vous ne risquez rien avec moi, j'ai horreur des voyages. Eric est en train de vous choisir sa plus belle voiture. Qui est-ce, Eric? Monsieur Ellervain. Oh, d'accord, vous êtes chez vous ici. Hein? Non, mais presque. Nous sommes fiancés. Ah, dommage. Pourquoi? Si jeune et déjà promise. Toujours à votre service, Superman. Merci. Très appréciable. Le plus beau et le plus cher. Est-ce que ce traitement de faveur inclut cette charmante demoiselle? Va falloir débattre du prix. Elle n'est pas gratuite, elle. Elle est même hors de prix.
Bah quoi, on se fâche? Tu sais très bien que je n'aime pas ça. Mais je plaisante, elle est d'une susceptibilité. Vous croyez qu'il pensait ce qu'il disait? Je me le demande. Peut-être bien après tout. Alors, vous êtes satisfait? La voiture vous plaît? Elle est très belle. Vous êtes beaucoup amélioré. En tout, si j'ose dire. Ah, avant que j'oublie, pourquoi vous ne m'avez pas dit que Madame Oman était employée chez vous? Je ne pensais pas que cela avait de l'importance. Elle vous intéressait, Madame Oman? En tant que femme, je veux dire. Pourquoi vous me posez cette question? C'est elle qui vous a raconté ça? Non, un bon ami m'en a parlé. Écoutez, entre nous, votre ami s'est payé votre tête. Nous avons été retardés, veuillez nous excuser, Madame Oman. Vous connaissez Monsieur Matula, je crois. Madame? De toute façon, je vous remercie d'être venue. Vous avez le bonjour de votre mari. Merci. Comment va-t-il? Pas très bien. Madame Oman, maintenez-vous votre demande de divorce malgré la tentative de suicide de votre mari? Oui. Pour ne rien vous cacher, j'ai du mal à vous comprendre. Que savez-vous de notre vie commune? Toutes ces années, vous ne pouvez pas comprendre. C'était l'enfer, je n'en pouvais plus. Il ne voulait plus travailler. Les beuveries, les humiliations. Non. Je regrette, mais en ce qui me concerne, c'est terminé. Mais il ne s'agit pas que de vous, Madame Oman. Il s'agit aussi de votre mari. Ce divorce ne lui est pas très favorable. D'autant que nous pensons faire appel pour obtenir une révision du jugement. Ah bon? Oui, mais ça ne changera pas ma position. Je veux divorcer. J'en suis pas si sûr. Nous ne vous permettrons pas d'enlever à votre mari l'espoir que représente pour lui un nouveau jugement. Je n'en ai pas l'intention. Mais je veux divorcer quand même. Comme vous voudrez. Mais dans ce cas, il me semble indispensable de parler de votre relation avec un certain monsieur Ellervine. Et pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit? Mais enfin, ça ne vous regarde pas. Je trouve que... Ce qui m'intéresserait le plus, ce serait de voir sa tête quand cette histoire deviendra publique. Et celle de sa fiancée, un joli brin de fille, Vilma Schöningen. Comment? Vous ne connaissez pas mademoiselle Schöningen? Jeune, très jolie, sportive, élégante, sexy. Tout ce qu'un homme du monde peut souhaiter. J'en ai par-dessus la tête de vos insinuations. Je ne suis pas venue ici pour que vous m'insultiez, vous entendez? J'espère ne pas vous revoir de si tôt. Ah, merde, que je suis con. Il dit que j'avais pas pensé, c'est pas vrai. C'est facile, c'est même très facile. Acte premier, Ellervine me donne une photo sur laquelle figure, entre autres, Madame Oman. Or, dès le lendemain de l'incendie, elle achète un nouveau briquet, soi-disant pour sauver son pauvre mari. Elle s'y prend d'une telle manière qu'on ne peut en aucun cas paumer sa trace, tu comprends? Et pour finir, son malheureux mari, pris dans les mailles du filet, et frappé d'amnésie, n'a plus qu'à avouer. Qu'est-ce que t'en penses? C'est astucieux, mais ça n'est pas suffisant. Chérie, tu peux prendre l'alpha, s'il te plaît. Mais pourquoi? Je préfère que tu prennes le volant après la soirée. C'est chaque fois, maintenant. Tu sais que je dois boire, chérie. Tu ne voudrais pas que la police me confisque mon permis. Alors, boire ou conduire, j'ai choisi. D'accord, mais c'est d'être à l'heure cette fois. Nous arrivons toujours les derniers. Le temps que tu prennes une douche et que tu te mettes une de tes robes somptueuses, je serai prêt, ma toute belle.
21-63. Bonsoir, mon chéri. Tu n'es pas folle de venir ici, je t'avais pourtant prévenu. Je sais bien, mais il fallait que je te parle. Écoute, Margot, je t'avais dit qu'il fallait être raisonnable, pendant quelque temps. Non. Tu n'aurais pas prêté la voiture, l'Alfa Romeo? Quoi? Ah oui. C'est une cliente. Ou plutôt sa fiancée, celle que tu comptes épouser. D'où tu tiens cette idée? C'est Matula qui me l'a dit. Ce petit avorton. Il aime se faire valoir, il dit n'importe quoi, Margot. Il sait beaucoup de choses, quand même. Peut-être même tout. Il ne peut rien savoir. Eric, tu me prends pour une idiote. Qu'est-ce que tu vas chercher là, mon amour? Tu ne vas pas croire toutes ces bêtises, Margot. Tu sais que nous n'avons pris aucun risque, à condition de rester calme et de garder notre sang-froid. Tu es vraiment une ordure. Je le savais bien, j'en étais sûre. Tu empestes encore son parfum, salopard! Raconte-moi, tu la sautes dans ton bureau! Dis-moi où tu le fais avec elle! Tu le fais où? Dis-le-moi! Oh, je vais tout leur raconter! J'en ai assez de toi, si tu entends! Mais calme-toi, tu t'y affoles! Qu'est-ce que tu veux leur dire? Vas-y, vas-y! Dis-moi ce que tu veux leur dire! Ah, ah, salaud, tu me le paieras! Je leur dirai que j'ai pris le briquet et la bouteille quand il s'est endormi! Mais je suis sortie pour les jeter dans le feu! Pour que tu puisses encaisser l'assurance! Mais tu vas la fermer, vieille con! Personne ne croira de toute façon! Je ne suis pas de votre avis! Lâchez cette femme! Qu'est-ce que vous voulez encore? Je venais vous rendre votre voiture. Surtout ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Elle est complètement folle, cette pauvre fille. De toute façon, il n'y a pas de preuve contre moi. Tu étais parti à Gizem. En prison pour toi. Maintenant, tout cela m'est égal. Tu me le paieras. Tu peux me faire confiance. C'est fini pour toi. C'est bien fini. Et enfin, pourquoi vous avez accepté de faire ça, madame Oman? Et vivre moi aussi au lieu de passer à côté de tout. Comme nous tous. Alors, Superman, heureux? Pas de conversation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous alliez faire, monsieur Oman? Qu'est-ce que je peux faire? Prendre un travail. En attendant que ma femme ait purgé sa peine. Dans l'affaire pénale contre Eric Irvine et Margot Oman, veuillez entrer. Je vous en prie, Oman, ne faites pas de bêtises. Je n'ai jamais su faire que ça, maître.